Salut tout le monde, mesdames et messieurs, nous sommes dans les studios d'Espace FM. Je suis avec Lucien Jean-Baptiste. On vient à l'instant même de l'interview en radio. Lucien, on va aller très vite. C'est pour Facebook et tous les amis, tous les branchés Facebook. On a quand même 4-5 comptes à 5 000, 6 000 personnes. On fera tourner la vidéo. Bon, film n'a pas sorti, quitte. On est un film qui a sorti. C'est 30 degrés couleur, voilà, 30 degrés couleur le 14 mars. Voilà, ça vous appartient. C'est à vous. Vous y allez, vous en parlez. C'est pour vous qu'on a fait le film. Est-ce que vous pas peur qu'on plante quoi? Parce qu'on t'a dit, moi, en plus, en interview, en radio, là, que le film-là qui a sorti le 13 mars, si le 13 ou le 14, pas ni pour Moon, le film, il est dégagé. Terminé. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les temps de la chance d'un film, ça se passe sur 3 jours. C'est-à-dire que vous avez 3 jours pour faire le succès ou l'échec d'un film. Carrément. Mais oui, parce que la semaine d'après, le gars qui a la salle de cinéma, il a encore 10 films qui arrivent. Donc, faut qu'il fasse la place. Donc, à partir du moment où il regarde, il voit que le petit film antillais marche pas, il dégage. Et nous, eh ben, on dégage aussi. Donc, c'est important, c'est de votre responsabilité de savoir si vous avez envie que votre histoire soit à l'écran, plutôt que se plaindre et dire ouais, pas ni Ayen, pas ouais, Nega sous télé, eh ben là, c'est à vous. Moi, j'ai fait le boulot maintenant. Je disais, si on en parle en radio, Lucien Jean-Baptiste, tu aurais pu quand même faire la deuxième étoile. La première étoile, c'est lui, hein, mesdames et messieurs. Donc, OCP tombé aussi dans la facilité, fait la deuxième étoile. Justement, moi, modestement, je suis un artiste et je n'arrive pas à faire des trucs. Je sais pas comment vous dire. Il faut que ça me vienne des trucs. Non, c'est pas que c'était trop facile. C'est qu'à un moment, tu commences à écrire et puis t'as pas l'inspiration, tout simplement. Et si ton inspiration va vers une histoire un peu plus sincère, un peu plus profonde, une histoire sur l'identité, sur nos vrais problèmes, tout ça, évidemment, arrosé du champagne de carnavalesque, eh ben, vous allez là-dessus. La première étoile a été un succès. Je pouvais faire ce que je voulais, entre guillemets. Eh ben, je suis allé vers cette histoire-là, tout simplement. Alors, racontez-nous l'histoire. 30 degrés couleur, c'est quoi pour les amis internautes? C'est l'histoire d'un retour. C'est un garçon qui s'appelle Patrick et qui est historien. C'est où? Voilà, c'est moi que j'interprète, hein, parce que Will Smith n'était pas libre, puis un petit peu cher, il l'a fait Pisanoni, hein. Et on le prend au moment où il a son apogée, il vient de recevoir un grand prix d'histoire, et là on lui apprend que sa mère est souffrante aux Antilles. Et donc il repart aux Antilles, et deux problèmes quand il arrive là-bas, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas mis les pieds, et surtout il arrive, on est en plein carnaval. Et là il va retrouver son ami d'enfance, et pendant 3 jours, lundi gras, mardi gras et mercredi décembre, eh bien ça va être un retour vers son identité, un retour vers sa famille et surtout un retour vers des valeurs qui malheureusement sont en train de disparaître dans nos grandes mégapoles. Alors, tout truc à regarder, si interview t'as l'allemand, voilà. Lucien Jean-Baptiste, il faut venir voir 30 degrés couleur. Il faut les nouveaux en force là. Mais oui, c'est vital. Comment vous dire? Aujourd'hui, on a un garçon comme Omar Sy qui vient d'avoir un César. Ce que ça va faire chez plein de petits jeunes, antillais, africains, chez plein de petits noirs, les mecs, ils vont se dire, c'est possible. Je peux y croire. Je peux devenir quelque chose. Là, vous avez un film. Eh ben, c'est pareil. C'est-à-dire que si tout le monde va voir ce film, eh bien, ça va donner de l'idée à des jeunes auteurs à écrire des films. Ça va me faire des rôles. Non, mais voilà. Non, mais c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Il faut, malheureusement, faut pas croire que c'est gagné. Aujourd'hui, on a encore besoin de modèles. Moi, je sais pas courir, je n'arrive pas à courir, donc je voyais Marie-Josée Pérec courir vite, mais je pouvais pas courir. En revanche, si j'avais vu à mon époque Omar Sy, des super comédiens, etc., peut-être que je serais allé m'inscrire des repères. Et un film, c'est un repère pour toute une génération qui a besoin de s'exprimer parce qu'on a encore besoin de raconter nos histoires. Donc, les moments là, pour oublier, rendez-vous là, 30 degrés couleur, ça sort encore. Le 14 mars. Disponible partout. 14 mars, partout. C'est UGC, et puis, vous savez quoi? Si c'est pas partout, prenez votre voiture et allez le chercher. Aïe, chichi. Il belle. Très bien. Merci. Hein. Nous fiers de vous, Lucien. Nous passons un bel petit moment à la radio, FM. Tu as passé un bon moment avec nous. Super, nickel. En l'eau chaude, tout ça. 30 degrés couleur, les moments là. Donc, pas oublier rendez-vous là. On sera là pour faire la fête. Et puis, le mieux que tu. Moi, qu'espérer que le film là est sorti rapidement à l'affiche. Donc, on va quand même montrer qu'on est fort, hein, même ici, Lucien. J'ai l'impression qu'on pète, Ibrahim. Non, c'est-à-dire qu'il y avait eu quelques années là. Comment ça s'appelle? Il y avait eu un film là, Malcolm X. Tout le monde était descendu dans la rue. Ah ben là. Il est de retour. Venez nous voir. Merci, Archaï. Super. Est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort, s'il vous plaît? Putain, il est blanc.